Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, c'est du cinéma. Vous ne présentez pas, c'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Peut-être avez-vous déjà été traversé par le désir irrésistible de vivre plus de vie qu'un chat. Et si à l'autre bout de la planète se trouvaient les vies que vous n'avez pas vécues? Tous ces possibles, je les ai ressentis lorsque j'ai regardé les films de Yaël André, un collage pêle-mêle du monde, sauvant de l'oubli des images de notre mémoire collective. Sur un ton burlesque et détonnant, elle crée des mondes imaginaires, parcourt le passé pour révéler ses incertitudes et l'inachevé de nos vies. Yaël André est une glaneuse d'images qui expérimente et recherche, une aventurière farouche, en rupture avec la linéarité des choses, une cinéaste qui subvertit l'ordre des représentations. L'enfance. En fait, mes parents sont partis vivre au Maroc quand j'avais l'âge de 1 an, jusqu'à mes 6 ans. Donc on peut dire, d'un certain point de vue, que c'est une enfance idéale, parce qu'en bon européen, ils allaient à la mer quasiment tous les jours, au bord de l'océan ou de la Méditerranée, enfin, ça dépend de là où on a habité. Et donc, de ce point de vue-là, c'était enfance dans les vagues, avec les frères et sœurs, une petite école près de la maison, etc. Et donc, ce paradis sur Terre, derrière cette image de paradis sur Terre, il y a une espèce de chose terrible qui couvait, qui était cette mort d'enfant, qui, je pense, doit être forcément un drame pour toutes les familles, quoi. Et puis, surtout, je me souviens du retour en Belgique comme d'un, bizarrement, comme une arrivée au paradis. Donc, c'est, de mon regard d'enfant, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la Belgique, pour moi, c'était le chocolat, les bonbons, des tas de choses comme ça que je trouvais merveilleuses, parce que c'était exceptionnel pour nous, tandis que le Maroc était devenu le quotidien, quoi. Donc... Je pense que mon désir premier, c'était un intérêt pour le cinéma. Parce qu'à l'âge de 15 ans, avant de faire la philo, à l'âge de 15 ans, j'étais quasiment tous les jours à la Cinémathèque de Bruxelles, qui est une cinémathèque encore aujourd'hui rare et précieuse, qui a des collections de titres absolument incroyables, dont on peut voir une partie au Musée du cinéma. Et à l'époque, quand j'avais 15 ans, le ticket d'entrée était tout à fait accessible pour la jeune fille que j'étais. Et donc, j'ai dévoré... largement bonne cinéphile, tout ce qui tombait à ma portée, quoi. Le pire et le meilleur. Et alors, il y avait des clubs de fans. Il y avait vraiment un public, on était... c'était très vivant. Le jour où paraissait le programme de la Cinémathèque, on faisait la file, on avait notre liste de tickets à prendre. C'était vraiment l'assaut furieux sur la caisse pour avoir tous nos tickets pour le mois. Et je me souviens, par exemple, il y avait dans la salle muette, il n'y avait que 20 places. Il y avait certains Buster Keaton rares qui étaient programmés. Il fallait vraiment prendre son ticket bien à l'avance pour être sûr d'avoir... Parce que moi, j'étais très fan de Buster Keaton. Et des fois, j'ai raté une séance. Ça me faisait râler, mais pendant des jours, de ne pas pouvoir voir ce Buster Keaton-là. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, parce qu'on peut trouver tout sur Internet, tout en DVD, tout. Il n'y a pas cette côté de rareté. Et avant moi, génération d'avant, ils faisaient le trajet de Paris pour venir voir les films à Bruxelles. Parce que c'est une collection fameuse, qui avait des liens entre le Doubs, le conservateur, et par exemple la Nouvelle Vague. Et il demandait de pouvoir voir à la table certains titres rares, quoi. Donc c'est un peu impensable aujourd'hui, ce genre d'attitude par rapport au cinéma, mais j'ai connu cette fin de cinéphilie-là. À
après avoir été cinéphile très enragée, on va dire, pendant toutes ces années-là, j'ai commencé les études de philo parce que je me suis dit que des études de cinéma, c'était un peu maigre pour faire des films. Donc, j'avais déjà l'idée de faire des films quand j'ai commencé les études de philo. Et d'ailleurs, dans les réalisateurs aujourd'hui, il y a pas mal de philosophes. Je pense que c'est un détour intéressant. Et puis, en fait, c'est le hasard de la vie qui m'a conduite à Berlin, à la fin de mes études de philo. Et j'y suis arrivée pile au moment de la chute du mur. D'ailleurs, au début, j'y croyais pas. Quand j'ai entendu sur France Culture ou France Inter, je ne sais pas, le mur de Berlin est tombé, j'ai dit « Ah, ils sont drôles, ces journalistes. Moi, je suis à Berlin, je le saurais. Tu parles ?» Avoir quitté la Belgique, avoir vécu cette chute du mur, et puis revenir après en Belgique pour mes études, ça a été vraiment quelque chose, parce que tout à coup, il y a quand même un culte, en tout cas à l'époque, assez provincial à Bruxelles et en Belgique. Et donc, avoir vécu un peu une page d'histoire, parce que la chute du mur, ça a été vraiment un moment historique pour toute l'Europe, je crois, et pour le monde entier. Ça m'a un peu dessillé, on va dire, dans la petite jeune femme que j'étais, tout à coup se retrouver à assister à un moment historique. Donc, c'était frappant, effectivement. Et donc, suite à ça, et après avoir fait mon mémoire de philo et avoir passé une année à l'INSAS comme étudiante en réalisation, j'ai demandé des bourses de recherche pour faire une recherche sur le cinéma est-allemand. Comme j'avais vécu la chute du mur, ça m'intéressait. Et donc, j'ai passé plusieurs mois, tout en étant inscrite en scénario à l'ULB, à faire des recherches sur ce cinéma-là, à visionner plein de films, à rencontrer des gens, etc., etc. Et en même temps, à organiser une rétrospective du cinéma belge à Berlin. Et donc, c'était en 1995, j'ai organisé une rétrospective dans deux cinémas Est et Ouest. Première rétrospective vraiment de ce nom, du cinéma belge en Allemagne. Je me suis inventé une filmographie avec un premier titre qui s'appelait « Histoire d'amour », que je n'avais absolument pas réalisé. Et alors la femme responsable de ce projet dit « Je voudrais bien voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous pourriez montrer ce titre-là » Et du coup, je suis rentrée à Bruxelles, de Paris, et j'ai commencé à faire le film que j'avais dit que j'avais fait. Donc ça a été le point de départ, en fait. C'est sur un mensonge que... Un mensonge et en même temps une espèce d'improvisation joyeuse, parce que c'était un processus assez simple. En fait, entre 25 et 30 ans, toute une bande de filles, on se marrait quand on se racontait nos histoires d'amour foireuses ou moins foireuses. On riait quand on se racontait nos histoires, et je me suis dit, mais il faudrait le filmer, parce qu'il y a quelque chose d'assez vivant en fait, là-dedans. Donc on a commencé comme ça, avec cette bande de filles, qui d'ailleurs est quasiment toutes restées, sont toutes restées au montage final. Je faisais un repas, on se retrouvait au moment du repas, j'avais installé une caméra à l'étage, j'habitais une petite maison. Et puis, on se mettait toutes derrière la caméra et une, à tour de rôle, on racontait une histoire de déclaration d'amour. Ça, c'était le point de départ. Je vais raconter une histoire avec un homme que j'ai très, très fort aimé, parce qu'il faut raconter une histoire d'amour. Alors, et comment je l'ai rencontré? En fait, c'est le frère d'un grand ami de moi. Et je l'ai rencontré d'abord dans une ville où il y avait une fête, une ville qui s'appelle Louvain-la-Neuve, mais je ne lui ai pas parlé à ce moment-là. Et je l'ai vu comme ça. Et il était habillé tout en noir et très droit, et parce qu'il n'aime pas la foule, alors il était en dehors de la foule. Et puis après ça, je l'ai croisé plusieurs fois dans cette ville, mais dans cette ville-là, qui n'est pas du tout une belle ville, on ne se parlait jamais. Et puis après ça, on s'est rencontrés un jour à Bruxelles, parce qu'avec son frère, on est allé dans un endroit qui s'appelle... qu'on avait appelé le ministère des oiseaux. Et le ministère des oiseaux, c'était un endroit qui était un grand ministère avec encore des guichets et tout ça. Eux, ils y allaient souvent, moi je le connaissais pas cet endroit. Et il y a plein d'oiseaux morts partout sur le sol parce que les oiseaux rentrent et puis je crois qu'ils ne savent plus très bien sortir. Mais ils rentrent. Alors c'est jonché d'oiseaux comme ça, c'est très très beau. Alors là, on avait trouvé dans la cave un grand miroir très abîmé quoi, par les années. Quoi, tout, alors on avait apporté le miroir. Et puis après, on était allé chez Dandoi, on avait acheté des spéculoos. Et puis, alors j'avais des noms baisés pour lui dire merci. J'ai filmé comme ça une quarantaine de portraits et on est parti sans aucun budget.
Je ne me suis pas tellement posé la question de la légitimité au début. Bizarrement, c'est plutôt aujourd'hui que je me la poserais qu'à ce moment-là. Je pense qu'on a 25-30 ans. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fichais complètement. Je me disais, ça va être marrant, allons-y. Et puis, on était portés un peu par une énergie de groupe aussi, tout ensemble. On riait, on faisait les choses, on les faisait un peu branques. Les roches étaient sous-exposées, zut, comment est-ce qu'on va faire Donc, c'était pas un acte professionnel, réfléchi, pensé. C'était fait sans argent et hop, quoi. Et je pense que ce naturel-là, il est précieux, il est intéressant et il doit se garder. Et j'aurais été incapable à l'époque de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire penser un projet, et l'écrire, constituer un dossier, être consciente de mes intentions, etc., etc. Ce que je fais par ailleurs comme professionnellement, c'est-à-dire je suis tutrice de scénario, mais je fais aujourd'hui l'inverse que ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire... À l'époque, c'est « t'as une idée, vas-y, fais-le, quoi ». Et je trouve ça très bien, d'avoir cette fraîcheur-là. Maintenant, après avoir fait deux films comme ça, je me suis rendu compte qu'il était possible quand même de penser en amont ses intentions, de les coucher par écrit et d'en dérouler quelque chose, quoi. En fait, je ne me considère pas comme documentariste. Je réalise ce qui me semble logique par rapport à ce que j'ai comme sujet à ce moment-là. Effectivement, aujourd'hui, en Belgique, c'est plus facile de réaliser du documentaire que de la fiction. C'est une forme plus légère, plus facile à financer, qui nous laisse plus indépendants. Quand on a 25 ans, pas de diplôme spécifique de réalisateur, etc., c'est plus facile de passer par la porte du documentaire, évidemment. Si on réfléchit profondément, je crois qu'on a tous envie de faire des films. Un film, et un film qui soit vu, qui soit partagé, qui soit apprécié, qui circule, etc. Mais on ne se dit pas, je vais faire telle catégorie de film ou tel genre de film. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas la question que je me pose. Et donc, effectivement, quand je serai dictateur, les choses ont été avancées dans une logique, on va dire, narrative. À aucun moment, je me suis dit, je fais une fiction, je fais un documentaire. Et par ailleurs, pour moi, les catégories narratives déjà trop utilisées ne m'intéressent pas. Et la fiction fait souvent partie. La fiction classique, avec la petite histoire, jouée par des comédiens, je trouve ça souvent totalement chiant comme type de cinéma. Donc, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais en fiction aujourd'hui, il s'invente aussi des choses dans la forme. Mon but est que ce que je veux dire trouve sa forme. Et je pense qu'on doit tous chercher quelle forme exprime le mieux ce qu'on cherche à dire, en gros. Et c'est pas en réutilisant des formes du passé, qui ont fait leur preuve d'ailleurs, des formes classiques de narration, qu'on est peut-être au plus juste de la forme qui doit se trouver. Quoi. Le problème, c'est que la place pour d'autres formes est un peu menacée aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours eu des comparses cachés dans toutes les institutions, qui aussi sont intéressées par une pensée qui se dit autrement, pas par une forme commerciale, et blablabla, je veux dire par de la culture, en fait, en gros. La culture, c'est quelque chose qui doit s'inventer, sinon elle devient morte. Je veux dire, si Cervantes ou Montaigne ou Rabelais ont des choses à nous dire à travers les siècles, c'est parce que c'est vivant ce qui s'y passe. Et pareil, un film qui emprunte des formes déjà véhiculées 300 fois, c'est une forme morte, donc c'est pas intéressant. J'ai jamais eu l'impression que le fait d'être une femme m'a empêché de faire des choses. Par contre, il y a parfois eu des zones de friction en cours de route, mais ça ne m'a pas empêché de faire les films. Mais après, il faut être prête à se battre. De toute façon, c'est un métier, il faut être prêt à se battre. Parce qu'il faut remettre nos idées tout le temps en question, parce que la compétition est furieuse. Je veux dire, à la commission du cinéma, c'est quand même qu'un projet sur 7 ou sur 8 qui passe. Dans les télévisions, c'est, je sais pas, c'est un projet sur 10 ou sur 15 qui est coproduit. Etc, etc. Puis quand vous avez fini le film, vous envoyez vos films d'abord dans les festivals. C'est un projet sur 100, un film sur 100, un film sur 200, un film sur 1000, qui est parfois sélectionné dans un festival important. Donc je veux dire, c'est permanent, quoi. Donc si on se dit, j'attends que tout me tombe tout cuit dans le bec, ben c'est raté d'avance, quoi. Donc ça, c'est pas une question d'homme ou femme, de ce point de vue-là. Non, pas ici. Ça te peut pas faire. Non, je ne peux pas faire ça ici. Allez.
Le chien. Parce qu'il a déjà bien mangé là-bas. Mais... Oui. Est-ce que je peux pas rester ici, tu sais? Tigrette. Quelque chose que tu aimes. Non, n'aie pas peur, c'est moi. Ça, c'est Neuche. Le sourd qui est devant, le vieux Blackie, Pussy, Pussy 4, Félix 1, Félix 2, Broxke, Jumel, qui était là, Spiky, qui était là, Cléo et Patra, Roske, Mimi et Moustache. Donc 17 qui ont un nom. Hein. Bon, 16 un nom et 17 mais au total. Il y en a d'autres. Il y a mon goût pour les chats, qui, je trouve, sont des êtres absolument exceptionnels et avec un grand sens de l'humour. C'est des comédiens nés, les chats. Donc déjà, voilà. Et puis, il y a une petite anecdote qui fait que j'ai rencontré une dame à chat dans mon quartier, là où j'habite à Ixelles, et je me suis dit, tiens... Et puis, elle avait, en gros, elle réquisitionnait littéralement tous les chats du quartier. Elle nourrissait... Donc, tous les chats fuyaient les maisons pour aller nourrir, se faire nourrir par elle. Donc, moi, je râlais au début, et puis... Et puis elle me dit, mais vous pouvez m'apporter des boîtes si vous voulez. Je me piquais mon chat et en plus, je vais lui apporter des boîtes. Puis de fil en aiguille, voilà, chat, dame à chat. Et puis du coup, par curiosité, je m'étais retrouvée un moment à Rome, toute seule, en vacances. Et puis du coup, j'ai rencontré les dames à chat de Rome, qui sont des personnages absolument hauts en couleur. Voilà. Et puis des lectures, et puis Pérec, qui parle de l'espace, du rapport à l'espace, etc. Et l'idée que les espaces, que les chats sont ceux qui découvrent les endroits les plus confortables de la maison. Je me dis, tiens, mais peut-être qu'ils découvrent aussi les endroits les plus confortables des villes. Ces terrains vagues qui disparaissent petit à petit dans toutes les villes, d'ailleurs. Et puis, de fil en aiguille, l'idée de la cartographie. Enfin, donc, il y a plein de choses qui se sont rajoutées à ce film, progressivement, avec un fil qui est qu'avons-nous fait de l'inutile dans nos villes, dans nos vies et dans nos villes? Que faisons-nous aussi de l'ordre que nous installons dans les choses? Qui est un autre fil, et puis comment est-ce que nous représentons l'espace, et puis comment est-ce que nous vivons par rapport à ces espaces. Donc le chat sert de fil conducteur, mais pour tisser d'autres choses que le chat lui-même. Quoi. Donc du coup, c'est un film assez hétéroclite, mais je pense que c'est peut-être qu'il rend un peu comique. N'importe quel propriétaire de chat vous dira avec raison que les chats habitent les maisons beaucoup mieux que les hommes. Même dans les espaces les plus effroyablement carrés, ils savent trouver les recoins propices. Ce métier secret de la paresse demande la plus extrême concentration et le plus absolu des relâchements. Pendant que je le faisais, j'étais assez embarrassée parce que je me disais, oh là là, quand les cartographes verront que je les ai mélangés à des damages et des histoires sur l'inutile, ils vont me maudire, et vice-versa pour les dames à chat. Donc tout le monde était un peu interloqué en voyant le film final. Finalement, je crois que c'est quand même passé, j'espère. La première fois que je vois Georges, je ne le vois pas. Et pourtant, Georges est beau comme... Le monde des adultes nous semble absolument rasoir. Nous sommes convaincus que notre vie va s'engluer dans un ennui mortel si nous n'inventons pas tous les jours quelque chose d'improbable et de léger. Là aussi, il y a plusieurs affluents au fleuve. Il y en a un très simple, c'est que je filmais moi-même en Super 8. J'ai filmé comme ça pendant 10 ans en marge de mes autres films. Donc au bout de 10 ans, je me dis, tiens, mais là, il y a un paquet de bobines, d'images. Il y a peut-être quelque chose à faire de ces images-là.
En même temps, je ne voulais pas faire un film autobiographique parce que... par incapacité d'en faire un, je pense. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait plus amusant de faire un film non autobiographique. Donc, plutôt que la vie que j'ai vécue, les vies que je n'ai pas vécues, je trouvais ça plus amusant comme scénario. Donc, ça, c'était un des points de départ. Donc, quand je serai, et puis déclinaison de toutes les vies potentielles que je n'ai pas vécues. Quand je serai dictateur, quand je serai mère exemplaire, quand je serai psychopathe, etc. Donc, voilà, un affluent, mes bobines, les vies parallèles. Et puis, je me suis dit, tiens, mais en fait, je ne suis pas seule, évidemment, à avoir filmé en Super 8. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et on arrive à une époque où toutes ces images finissent aux puces ou dans les poubelles, parce que c'est un support que les gens ne manipulent plus. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais d'aller attraper ces images qui existent par kilomètres et de voir s'il n'y a pas quelque chose. Et donc, j'ai commencé à enquêter. J'ai vu qu'il y avait des cinémathèques de films amateurs. Et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Alors, autre source aussi, il y a un film qui s'appelle Moteur Dao, qui était passé à filmer à tout prix il y a un paquet d'années, qui était un film fulgurant pour moi, d'un certain Monnickendam, c'est un Hollandais. En gros, il est retombé sur un stock de films filmés par des missionnaires en Indonésie, et il a repris ces images, aucun commentaire, il les a juste montées et bruitées. Et c'est prodigieux. Enfin, tout à coup, on voit la colonisation hollandaise dans ce pays-là, on voit la manière dont les gens, avant d'être colonisés, transformés, on va dire, vivent. C'est, je crois, le film dit de found footage que j'ai vu qui m'a le plus... parce qu'il y en a beaucoup. J'ai aussi mené mon enquête sur qu'est-ce qui existe comme film de found footage. Il y a tout un mouvement, depuis longtemps, de récupération, de réutilisation des images, de différentes manières, d'ailleurs. Que ce soit plus historique, parce qu'il a fait fonction classique du film d'archives, qui, moi, ne m'intéressait pas, ou plus inventive, ou... Enfin, voilà. Et donc, mon idée pour ce film-ci, dans l'usage de l'image, c'était, on reprend les images, on ne leur fait pas dire directement des choses qu'elles ne disaient pas, mais on essaie de les utiliser pour ce qu'elles racontent en tant que telles, comme images, en fait. Et donc, il m'a semblé que la manière la plus judicieuse de faire ça, c'était de mettre une voix off qui, clairement, ne parlait pas directement de l'image. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le film, c'est ça, ce rapport de la voix off avec l'image. Parce que la voix off est toujours un peu à côté. C'était difficile de trouver l'endroit exact où mettre la voix off qui ne soit pas ni illustrative, ni trop lointaine par rapport aux images. C'était pas facile de trouver cet endroit-là. Mais quand ça marche, ça fonctionne bien. Il n'y avait pas encore un récit clair au début, qui s'est clarifié petit à petit, qui est l'histoire d'un ami qui est mort. Et donc, toutes ces images-là, d'inconnus et de connus, parlent de cet ami mort. Donc ça, c'est aussi là un peu la singularité du film. C'est une voix qu'on ne voit jamais, qui parle de quelqu'un qu'on ne voit jamais, avec des images d'autres gens que je ne connais pas. Enfin, donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre de ce point de vue-là. Je me dis que je vais quitter Bruxelles pour quelques jours, et je pars seule avec deux ou trois choses. Il y a une petite musique de marchand de glace à côté d'un pont le long du canal. Et une voiture se met à rôder près du lieu où je me suis arrêtée. J'ai peur. Cette musiquette de marchand de glace associée à un homme louche qui me guette sous ses lunettes noires. Le monde me paraît soudain terriblement étendu, trop vaste. Ma conquête du monde s'arrête là, à Rusbrook, au bord d'une flaque d'eau. Sans Georges, j'ai peur. Il y a deux donateurs dans le film, c'est deux amis collaborateurs, qui collectionnait des images trouvées. Et donc, ces images, on ne sait plus qui les a filmées, on ne connaît pas leur histoire derrière. Ça participe d'ailleurs très fort de leur puissance. Donc, on a découvert toute la vie de quelqu'un qui était probablement mort, puisque ces images étaient retrouvées au marché aux puces. Et alors, on devinait ce qu'il a vécu. Donc, ça nous mettait à la fois en position un peu voyeuriste, ce qu'on a vraiment évité dans le film,
tu vois, d'être dans ce rapport-là. Et en même temps, il y avait une charge émotionnelle énorme, quoi, parce que du coup, on recevait presque le testament filmé d'un inconnu complet. Donc ça nous engageait profondément, quoi, par rapport à ces images-là. Enfin, il y avait un pacte émotionnel tacite immense par rapport aux images qui nous étaient arrivées, quoi. Et qui, si on les avait pas recueillies et transformées, enfin, numérisées, auraient fini dans la poubelle, quoi. Donc c'est pas un intérêt pour le film de famille ou un intérêt pour l'image d'archive dont je me fiche royalement. C'est plutôt image perdue, image trouvée, et le destin de ces images-là, et l'impression que je leur dois quelque chose, en fait. Et d'ailleurs, c'était parfois la bataille pour éliminer des images, tellement tous bousculés pour être dans le film, quoi. D'où la nécessité et l'intérêt d'avoir la voix pour structurer l'ensemble. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir finalement ce chapitrage « Quand je serai ». Parce que ce ne sont pas des vies que j'ai vécues, mais ça permet d'actualiser des potentiels d'images. Donc par exemple, « Quand je serai une mère exemplaire », c'est tous les enfants filmés, tous les premiers pas d'enfants, qui est de nouveau, c'est hyper émouvant, quoi. Tous ceux qui ont eu un enfant et qui ont filmé les premiers pas de l'enfant, c'est un moment historique, enfin, dans la vie de ces gens-là. Et c'est des moments totalement anodins et totalement jetables en même temps. Enfin, je veux dire, c'est deux à la fois. Et donc, le chapitre « Quand je serai une mère exemplaire », il ne s'agit pas de raconter moi quand je serai une mère exemplaire, ça n'a aucun intérêt. Mais ça permet d'actualiser le potentiel des images autour de la relation mère-enfant. Quoi. Dans plusieurs univers, je tombe enceinte. Sur certains mondes, les hommes concernés ne tiennent pas à être pères. Dans une de ces réalités, le père de cet enfant potentiel me dit en l'apprenant : tu es sûr que c'est de moi ? Dans une autre réalité, il se réjouit et moi pas. Dans un monde, j'ai un enfant avec Georges. Dans un autre, avec Charles. Parfois avec Joss, et des fois avec Louis. De Christian, j'ai 5 enfants, mais tout ça ne finit pas très bien. C'est pas facile de faire des films, hein. C'est facile techniquement. Écrire un scénario, c'est pas compliqué. Mais ça devient difficile quand ça vous engage profondément. Je pense que pour tout le monde, ça engage des angoisses, ça engage des parties de l'être, ça engage des parties de bras de fer avec soi-même qui sont jamais gagnées d'avance. Et faire ces parties de bras de fer et les amener en plus dans le burlesque, c'est pas toujours gagné, quoi. Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.